Itelela, itelela, la ya ya ma, itelela, la ya ma, itelela, la ya ya ma, ya ya ma, itelela, la ya ya, itelela, la ya, itelela, itelela, itelela ma, ya 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 ma, itelela, la ya ya ma, ya 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 ma, itelela, la ya 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 ma, itelela, la ya ya ma, itelela, la ya, itelela. Oh yeah, yeah, my da da da, yeah, 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 my da da da. Da 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 la da ya ya, da da la da da da, da da la ya. Hey, da da la ya 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 ya. Hey, da da la ya 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 ya. My ya ya da da ya 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 ya. My da da la ya 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 ya. Hi da da la ya 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 Être quelqu'un de bien. Est-ce que être quelqu'un de bien, c'est faire du bien? Ou être quelqu'un de bien, c'est être quelqu'un de bien? Sans avoir besoin de faire du bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez ce matin. Ce soir, si vous nous regardez en replay, dans les commentaires, est-ce qu'il faut prouver que nous sommes quelqu'un de bien à travers nos actes, à travers ce que nous faisons? Est-ce qu'on a besoin d'une autre personne en face pour vraiment être quelqu'un de bien? Ou on peut être indépendamment de ceux qui sont en face de nous ou de ceux qui auraient autour de nous? C'est ce que nous allons développer aujourd'hui dans notre tanière du jour. J'espère que vous allez bien. Boker Tov Lekoulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. C'est un plaisir. Et donc, on va développer ce tanya du jour. Ce que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi a à nous dire dans ce tanya du jour et dans ce chapitre 7, le 7 du Sha'ar Aïchoud Ve'Emouna. Ah, on a dit que Dieu c'était Dieu. Ah oui, Dieu c'est Dieu, oui, en effet, oui. Mais Dieu tel qu'il apparaît à travers le nom de Elohim, Dieu qui apparaît à travers le nom de Hachem ou Elohim, Yud Kevavke, Elohim, il y a différents noms. Ces différentes facettes de ce que nous ressentons de Dieu, de ce que nous pouvons nous percevoir, de ce qu'il souhaite et qu'il désire nous partager, se révéler à travers telle et telle facette de ce qu'il est. C'est ce que nous avons dit dans le chapitre précédent. Ça veut dire que, a priori, ce qui se dévoile, ce qui se révèle et ce qui identifie un trait, on va l'appeler comme ça, de caractère de ce que Dieu peut être à travers le nom de Yudke Vavke ou de Elohim, a priori c'est contraire, c'est totalement contraire, c'est même inverse. Et on l'a vu, en fait, ce sont deux faces d'une même essence. C'est celle qui permet au monde d'exister, celle qui dévoile la divinité ici-bas sur Terre, mais qui en même temps le cache, le voile. Parce qu'elle fait, parce qu'il y a ce geste de voile, et bien c'est ce qui permet justement à ce Dieu-là de se révéler, d'être dans ce monde-là. Cette perception-là que nous pouvons avoir de cette présence divine, elle ne contredit pas ce que nous voyons. Et ce que nous voyons ne contredit pas en réalité la réalité divine, celle qui est dans chaque élément du monde. C'est infini, du Saint béni soit-il. Pour cela, c'est ce que nous allons faire. Depuis le premier instant, on se lève le matin et on dit mot dernier, on remercie Dieu pour la Neshama qu'il nous a donnée, qu'il nous a offerte, et puis toutes les mitzvot que nous allons remplir dans la journée. On va à chaque fois essayer de réunir et de recréer cette unité qu'il y a entre ce Dieu qui se voile et ce Dieu qui se dévoile dans cette créature-là. Il y a cette union, cette unicité suprême qui vient d'en haut, qui vient de Dieu,
qui permet en réalité l'existence de ce monde-là, et qui nous paraît comme un paradoxe, impossible a priori. Et il y a ce que nous, nous essayons d'opérer d'ici-bas, à travers notre travail, notre investissement de tous les jours, de chaque instant, cette sensation d'être, de moi, d'indépendance, cette sensation d'égoïsme, de narcissisme, de recherche et de quête personnelle, c'est-à-dire se sentir et vouloir exister pour ce que nous sommes nous. Et dans ce monde-là, et puis le monde vit avec cette recherche permanente, hein, d'avoir cette indépendance et d'être pour ce que nous sommes nous. Et on va essayer à chaque fois de relier, hein, de réunir cette unicité de Dieu dans, a priori, cette forme d'indépendance qui vient de ce monde-là. Le Zohar HaKadosh le dit comme ça. Il y a un verset qui s'appelle « Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad » que nous connaissons toutes et tous. Est-ce que j'ai pensé à rappeler que nous étudions aujourd'hui pour Leilu Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Chava Batima. Alors, si vous êtes à la maison, vous êtes en train de prendre un petit café pour l'âme, faites un Lechaïm pour la Neshama de Chava Batima, que Kadosh Baruch Hu fasse que chaque mot de Torah que nous allons employer maintenant, ce soit un mot de Torah qui puisse aider cette Neshama, cette âme à s'élever, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc on pense très fort à cette Neshama-là, et qui puisse être une source de bénédiction pour toute sa famille. Dans le Zohar nous explique que ce verset, la Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est en réalité l'unicité suprême d'Akadosh Baruch Hu qui s'opère quand on dit et qu'on prononce ce texte-là, ce verset-là. C'est la raison pour laquelle c'est si important de dire ce texte-là. Et vous savez qu'il y a un deuxième texte et un deuxième verset que nous prononçons juste après le verset de Shema Israël, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Ba'ed. Alors, il y a l'unicité suprême, supérieure, celle d'en haut, et il y a l'unicité d'en bas, inférieure. Baruch Shem Kevon Malchute Lulam Bed, il est là justement pour intervenir et pour permettre cette unicité du bas. A priori, ce sont deux faces d'une même chose, c'est deux points en réalité de regard. On peut regarder les choses de cette façon ou d'une autre façon. Quand on regarde vers le haut, du haut, pardon, eh bien là on regarde avec l'aspect divin. À ce moment-là, c'est Shema Israël, Shema Elokeinu, Shema Echad. Quand on regarde vers le bas, c'est Baruch Shem Kevon Malchute Lulam Bed. Mais ça parle en effet d'une seule unicité, de cet acte d'union et d'unicité qu'il y a entre l'homme et Dieu et l'homme. Pourquoi Va'ed ? Alors, l'idée, c'est de dire qu'en réalité, il y a deux façons d'expliquer une même chose. De dire que Hachem, c'est Echad. Echad, vous savez, le nom, il y a différentes façons, on a déjà élaboré cette idée-là et approfondi cette idée-là, qui est notée dans la Chassidoute, dans la Kabbalah, que les différentes lettres de l'alphabet hébraïque, elles sont interchangeables, elles sont transformables, on peut les remplacer, sont remplaçables l'une avec l'autre. Et on sait qu'à travers différents calculs kabbalistiques et différentes techniques, eh bien, la lettre Echad, le mot Echad peut devenir ce qu'on appelle le mot Va'ed. Echad, Va'ed. On va regarder ici un petit peu dans les détails si vous le voulez bien. Une des explications, c'est que par exemple, le Aleph, lui, peut devenir le Vav. Ok. C'est un petit peu comme devienne le Chet va devenir le Aïn. Comment ? Puisqu'on sait que, si vous voulez, vous avez les lettres qui sont gutturales, hein, le Aleph, le Chet, le E, le Aïn, et vous avez après le Dalet, par exemple, qui vient juste après. Dans d'autres endroits, par exemple, on va nous dire que le Dalet aussi peut être considéré comme des fois un Dalet qui est plus grand, plus petit, ou même un Dalet moyen, qui exprime différentes façons, différentes facettes. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est un peu plus compliqué maintenant. On a des différentes vertus, en l'occurrence ici, par exemple, de la Séphira de Malchut, hein, de la vertu de Malchut. Bon, c'est un autre sujet. Chaque lettre, on peut l'interchanger, et le mot Echad va devenir le mot Vaed. Quand il est dans le mot, dans le verset de Shema Israël, Shema Elokeinu, Shema Echad, alors à ce moment-là, nous parlons ici de l'unicité de Dieu, l'unicité suprême qui vient du haut, vers le bas, et quand nous parlons de Va'ed, qui est dans le verset de Baruch Shem Kavod Malchut Olam Ved, que nous prononçons tous les jours, quand on fait le chemin Israël, alors là, on fait référence à cette unicité inférieure, celle qui vient du bas. Hein. Quand je dis inférieure, c'est-à-dire celle qui vient du bas, qui pourrait paraître aussi superficielle, du bas vers le haut. Mais quelle est la raison à cela? Quelle est la raison de cette condensation, de cette compression, de ce voile-là? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dû cacher, voiler cette vitalité qui fait vivre le monde? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le voir avec notre propre regard matériel, physique? Ben c'est justement pour ça, parce qu'il voulait que le monde puisse nous apparaître tel qu'il est, lui, indépendamment de cette vitalité divine. On le sait,
C'est ce que le Tanya nous a dit ici dans cette première partie d'hier. On sait que le but de la création de ce monde-là, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire de voiler la lumière divine infinie afin de permettre à la royauté céleste de se révéler ici-bas. Et c'est justement ce qui permet, parce que ça se cache, parce que ça se voile, que ça nous permet de l'apercevoir et de la sentir exister ici-bas. Et le principe, il est là, c'est ce que nous avons vu hier. Ein melech belo am, il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. C'est-à-dire que le dévoilement de la vertu de royauté, c'est justement l'expression d'un élément et d'une dimension qui se révèle à travers le peuple. La malchut, la royauté, elle est là parce qu'il y a un peuple. Dans les autres vertus, si vous voulez, il n'y a pas besoin d'autres vertus, il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre. Dans la vertu de malchut, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre, il faut qu'il y ait une autre entité. Alors vous allez me dire, mais a priori c'est curieux, parce que la première des vertus c'est laquelle? C'est la séphira de chesed. Et le chesed justement, c'est le partage, donc il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour recevoir. C'est l'exemple que l'on pourrait donner qui est le meilleur. En fait, en réalité, si on regarde bien, le chesed, en fin de compte, dépend de l'existence de celui qui donne pour ce qu'il est, lui, en ce qui donne et pas en celui qui reçoit. La preuve, c'est cette question qu'on a posée en introduction de ce cours-là. J'attends vos réponses. N'hésitez pas sur les commentaires. Hein. N'hésitez pas également à partager. N'hésitez pas à liker. Oui, faites-le, c'est important. C'est votre mérite. Quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, on a tous dans notre entourage quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est bien même quand il ne fait pas du bien. On sait que c'est quelqu'un de bien. Est-ce qu'il a besoin de faire quelque chose de bien pour être bien? Il est bien, quelqu'un de bon. Bon. La vertu de bonté qu'il y a chez lui, elle n'a pas besoin de s'exprimer afin d'exister. Puisque, en réalité, ce n'est pas juste une forme d'existence de ce qu'il est, d'affirmation de ce qu'il est. C'est juste une facette d'expression, une façon d'expression, de révélation de ce qui peut être lui. Est-ce que ça va changer en ce qu'il est lui? Non. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bon, quelqu'un qui a du chesed dans lui. Elle se révèle avec beaucoup plus de force lorsqu'il y a quelqu'un d'autre, lorsque le chesed, le mouvement est en route, lorsqu'il y a un mouvement, lorsqu'il y a un partage, lorsqu'il y a un don. Alors oui, là on peut dire qu'il y a du chesed qui est beaucoup plus présent. Mais dans son essence, la vertu de bonté n'a pas besoin de l'autre pour exister. Par contre, dans la vertu de malchut, de royauté, ein melech belo am, c'est une description ici qui est essentielle. Il n'y a pas de roi pour ce qu'il est lui-même. Tout le but et toute l'existence du roi, c'est justement parce qu'il est roi sur un peuple, parce qu'il gouverne un peuple. Toute la royauté est en rapport avec le peuple et le roi. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de peuple, alors il n'y a pas de forme quelconque de royauté et de pouvoir qui peut se mettre en place. C'est la raison pour laquelle l'existence même de ce pouvoir divin qu'il peut y avoir sur Terre, c'est uniquement parce qu'il y a l'existence d'un peuple. Qu'est-ce que ça veut dire âme? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait ce peuple-là qui soit créé. Et donc, le peuple donne la possibilité au roi d'être ce qu'il est. Vous savez, un homme, il peut avoir plusieurs enfants, en bonne santé jusqu'à 120 ans, mais ça n'en fait pas un roi, ça fait un père. La notion de royauté, c'est ce qui inclut en réalité le fait qu'il y ait d'autres personnes, et plus les personnes elles sont étrangères à lui, et plus cette notion de royauté se révèle être beaucoup plus puissante. Un roi, c'est un roi qui gouverne sur un pays, sur plusieurs pays parfois, plusieurs nations, ou même une seule. Mais ces sujets n'ont pas besoin d'être proches de lui pour faire de lui un roi. On pourrait dire même l'inverse, plus le roi se détache de son peuple, plus il prend de l'ampleur. Parfois, un roi qui va être aimé, c'est celui qui va se rapprocher de son peuple. Mais c'est aussi une autre question. Mais son pouvoir, oui, parce qu'il se détache, parce qu'il prend du recul, parce qu'il est au-dessus de ce peuple-là, plus ses sujets lui sont étrangers, et plus il est vénéré, plus il est respecté, plus il est adulé, parfois même. Ce qui n'est pas le cas d'un père.
La définition du père, c'est quand il a ce rapprochement avec ses enfants, parce qu'il se révèle être le père parce qu'il a ces enfants-là. Et qu'est-ce qui fait qu'il est le père? C'est parce qu'il y a quelque chose de... qu'il y a ce contact, et qu'il y a ce lien physique réel qu'il y a chez un père avec ses enfants. Parce que je vous ai souhaité les chaïms ce matin. Et donc, un très grand les chaïms. Les chaïms, les chaïms, les unishmat, chava, batsima. Les chaïms, les chaïms. Ce roi-là n'est pas seulement le roi sur des sujets qui lui sont éloignés, sur un peuple qui lui est éloigné, mais également, il est roi sur ses princes, sur ses ministres. Mais on est d'accord qu'il est beaucoup plus le roi sur un peuple qui est fait de sujets étrangers à ce qu'il est lui, que sur ses princes ou sur ses ministres. Quand il est à côté de ses princes et ses ministres, on voit moins sa capacité d'être le roi. On voit plus ses, parfois ses défauts. On voit ce qui lui manque. On voit ce qu'il a en plus. Mais il est beaucoup plus... il est beaucoup plus... il est moins intouchable. Puisqu'il est moins intouchable, donc il perd de sa superbe. Il perd de sa grandeur, de sa hauteur. Celle qui peut être présente par rapport à son peuple, par rapport à sa nation. La description ici qu'on va donner ici de ce Melech Beloham, de ce roi sans peuple, ou de ce roi qui a besoin de ce peuple-là, c'est cette métaphore que l'on donne et qui justement nous révèle ce que Dieu est, le rapport que Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu a avec son âme Israël, avec son peuple juif, mais pas seulement avec l'humanité tout entière, mais également avec toute la créature globale. Vine Geder Ubrinat Shem Olam. La description qu'on est capable de donner du niveau de ce qu'est le nom du monde, Nofel al-Bichinat Makom ou Bichinat Zman Davka. Cela intervient précisément sur une notion d'espace, une notion de temps. Bichinat Makom ou Mizrach ou Marav, Tsafon, Daron, Mala ou Mata. Quelle est la description de l'espace? C'est tout simplement les quatre coins cardinaux et le haut et le bas. L'est, l'ouest, le nord, le sud. Le haut et le bas. Dans l'espace, le roi est roi, dans cet espace-là. Bechinatzman, dans l'esprit du temps, la notion de temps, c'est tout simplement le passé, le présent et le futur. Le monde est décrit de cette façon-là. Pas seulement le monde matériel, mais également les mondes spirituels. Les mondes qui ne sont pas des mondes matérialisés, qui ne sont pas des mondes grossiers, tels que nous, on peut les connaître, sont essentiellement des éléments qui se définissent à travers un espace et un temps particulier. Vine kol prinotelu, ein lein shaychut bamidot hakdoshot elyonot. Tous ces niveaux-là n'ont pas de rapport direct avec les vertus saines, saintes, supérieures et suprêmes qu'il peut y avoir par exemple dans le monde d'Atilut. Pourquoi? Parce que dans le monde d'Atilut, elles sont infinies, complètement. Elles n'ont pas de rapport avec la définition, l'essence même de l'existant, la limite. Elles apparaissent à travers la vertu de Malchut, qui dépasse ces notions-là d'espace et de temps. Pourquoi ? Kim beminat Malchuto idvarech levata shayach shevada shayach levada shayach lomar shu idvarech melech lemala adenketz ulmata adentachlit vechen dedalet citrin. Le monde qui nous apparaît à travers cet espace et ce temps-là est en rapport précisément avec la vertu de Malchut, royauté, précisément. Pourquoi? Parce que la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle se pose sur ce monde-là, qui lui est constitué de ces différents espaces et ces différents temps. En conséquence de quoi, la description aussi large qu'elle puisse être de la royauté, c'est Melech Haolam. Baruch Atah Hashem Elokeinu, Melech Haolam. Akadosh Baruch Hu, révèle-toi, descends vers nous, on attire la lumière de la royauté. Du Saint béni soit-il, Hachem Elkenou, le Dieu qui est infini, qui se révèle à travers les lois de la nature, Elohim. Meler Haolam, le roi du monde. Pourquoi est-ce qu'on a besoin encore de nous rappeler que Dieu est le roi du monde? Pourquoi est-ce que Hachem Elkenou, cela ne nous aurait pas suffi? Eh bien parce que Meler Haolam, c'est justement révéler la vertu si particulière qu'il y a dans la royauté de l'infini du Saint béni soit-il, qui est le Meler Haolam. Meler Haolam, ça veut dire que c'est ce Dieu-là qui rentre dans cet espace, et dans ce temps, dans ces espaces et dans ces temps.
V'chen befrinat zman. Nous le disons tous les jours également dans la prière. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Leolam Vaed. Hachem Melech, Dieu est le roi. C'est celui qui a régné et c'est celui qui régnera. On inscrit la présence de Dieu dans le temps. C'est uniquement les descriptions de la vertu de Malchut qui peuvent nous permettre de se révéler, qui se révèle et qui nous permet de comprendre de quelle façon elle se révèle à travers le temps, le passé, le présent, le futur. Et c'est à l'inverse de toutes les autres vertus qui, elles, ne sont pas décrites et elles ne décrivent pas une forme d'action, d'acte, de mouvement ou de conduite. Elles sont juste la description d'une essence. Elles sont ce qu'elles sont, indépendamment de l'espace et du temps. Malchut, cela s'inscrit dans l'espace et dans le temps. Gvura, précède, différet, netzar, ça ne s'inscrit pas différemment dans le temps ou dans l'espace. Elles sont ce qu'elles sont parce qu'elles, quand elles se dévoilent et quand elles révèlent un aspect de leur essence, de ce qu'elles sont profondément. Alors que Malchut, quand est-ce que ça devient ce que c'est? Quand est-ce qu'elle se révèle? La séphira de Malchut se révèle précisément dans le temps et dans l'espace. L'Echaim, l'Echaim. Veninsa. Et donc il en ressort chez Chayut Amakom Vechen Chayut Azman. La vitalité de l'espace et la vitalité du temps, qui sont les bases même de l'existence de ce monde-là, qui fait que le monde, ce soit un monde qui est constitué du haut et du bas. Ces mondes, ce monde-là, comme dans les mondes supérieurs, d'ailleurs, nous l'avons dit, dans lesquels il y a ces différents espaces, d'accord, ces différentes dimensions, et dans ce temps également. C'est la raison pour laquelle cette vitalité-là, le fait qu'elles existent et qu'elles soient là, et qu'elles soient de manière continue, créées et recréées à chaque instant, du néant à l'existant, ex nihilo, elles sont ce qu'elles sont dans ce temps, dans cet espace qui lui est un temps et un espace qui est a priori pas du tout illimité, qui n'est pas a priori éternel, mais elles s'inscrivent dans cette éternité-là. Et tout cela vient de quoi? D'un point bien précis qui est le point de la création et qui va jusqu'à un autre point. C'est un point qui est beaucoup plus essentiel, on va dire, puisqu'il va jusqu'à ce qu'on appelle la fin des jours. Aden Ketz, jusqu'au bout. Tout cela vient de cette vertu-là de Malchut. Malchut, toute seule. Ou les fiches emidat Malchuto idbarech, meyuchedet bemauto vatsmuto idbarech, betachrit eichut kemoshe idbarech. Et puisque cette vertu de royauté du Saint béni soit-il, est en unité totale avec son essence même et ce qu'il est, au summum de ce que peut être l'unicité et l'union. Elle ne se sépare pas des autres midot qu'il y a dans le monde d'Atsilut, des autres vertus, elle est attachée. Puisqu'on sait que, comme toutes les autres vertus qu'il y a dans le monde d'Atsilut, la vertu de Malchut, c'est le dévoilement de l'existence même divine, c'est le moi divin, si on veut, et ce moi du nom d'Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est le même moi qu'il y a et qui se révèle dans le nom de Elohim, c'est le même moi et l'essence même qu'il y a dans le nom de Havaye Yudke Vavke. C'est la raison pour laquelle il kargar bechinat hamakom ve'azman, c'est la raison pour laquelle le niveau du temps et de l'espace, comme la vertu de Malchut, on l'évite et elles ne nous apparaissent pas autrement que dans l'annulation qu'elles ont envers leur source première. Betelim bimtsiut mamash legabe mauto vatsmuto yitbarech. Elles sont totalement annulées, véritablement, à cette essence-là de Dieu, qui vit tout l'or HaShemesh BaShemesh, comme l'exemple que nous donnons à travers l'inexistence et l'annulation, on va dire plus, l'abnégation de la lumière du soleil dans le soleil. C'est pas seulement que les créatures qui se trouvent dans ce monde-là sont ce qu'elles sont parce qu'elles nous apparaissent en tant que telles, mais c'est aussi les socles de base de tous les différents mondes. Le fait qu'on soit capable de percevoir ce que nous percevons à travers les dimensions du temps et de l'espace. Et ces créatures-là viennent aussi de cette vertu-là de Malchut, qui est cette vertu Malchut divine, de royauté divine. Et puisqu'il en est ainsi,
elles sont complètement annulées face à cette essence-là de la dimension de ce que Dieu se révèle en elles. Concrètement, cela veut dire quoi ici dans notre vie de tous les jours? Et en quoi ça exprime quelque chose de si particulier dans notre vie de tous les jours, dans notre perception à nous, de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, de chacune et chacun d'entre nous? Parce que c'est très 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 important de voir cela à travers notre vie de tous les jours. Comment est-ce que cela s'exprime quelque chose qui nous parle vraiment dans la vie de tous les jours? Alors, les meilleurs exemples que l'on peut voir, c'est quand un homme, par exemple, il va prendre la décision d'aller à l'essentiel, de revenir à ce que lui, il est au fond de ce qu'il y a dans son âme, de cette vitalité qui fait vivre ce qu'il est lui. Il a deux façons de voir les choses. Est-ce qu'il veut se révéler, exister, vivre à travers les dimensions de l'espace et du temps, ou est-ce qu'il veut sortir de l'espace et du temps? Il a différentes vertus, il a différents traits de caractère, l'homme. Il a la possibilité de s'inscrire dans cette forme d'éternité et de se rattacher à la vertu de Malchut. Mais quand il se rattache à la vertu de Malchut, alors à ce moment-là, il s'inscrit dans l'espace et dans le temps. Mais tout en étant dans l'espace et dans le temps, il révèle quelque chose qui est beaucoup plus fort que toutes les limites qu'il peut y avoir, qu'il peut avoir. Parce que la dimension de Malchut ici, qui se révèle être celle qui ressort, qui est au-dessus de tout, et qui donne son regard sur toute la nature, sur toutes les formes de limites qu'il peut y avoir, parce que pour qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un peuple, il faut qu'il y ait des créatures, mais tout en étant dans ce regard extérieur, on permet aux autres vertus d'exister. Et il y a subir et se soumettre complètement à une seule des vertus que nous pouvons avoir, qui fait la richesse d'une personne. On a différents traits de caractère. Parfois c'est la rigueur qui s'exprime, parfois c'est la bonté qui s'exprime. Mais ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, et qui est très très important dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, c'est que la bonté, elle a besoin d'un autre pour être exprimée. La royauté n'a pas besoin de l'autre pour être exprimée. Comment est-ce qu'un homme, il est capable de révéler cette dimension qu'il a en lui, qui est très très forte, qui est très puissante, de royauté intérieure? C'est quand il est capable de se rattacher à cette dimension divine qui est celle de la malroute, la vertu de malroute. Être capable de prendre de la hauteur et de se dire que les différents traits de caractère que nous avons, ok, qui sont parfois productifs, qui sont parfois actifs, ou qui sont parfois en sommeil en nous, nos traits de caractère positifs ou négatifs, quand c'est négatif, alors ça c'est génial, parce qu'ils sont en sommeil, quand c'est positif, c'est beaucoup moins positif, parce que quand c'est des traits de caractère qui sont positifs, c'est beaucoup moins bon, parce qu'en fait, ben, ça ne se révèle pas, et par définition, un trait de caractère, une vertu, ça doit être en action, pour que cela puisse produire quelque chose. La spirale de Malchut, elle nous permet d'avoir un regard qui est plus extérieur et qui fait qu'on a la capacité, avec le recul, de se servir et d'utiliser chacune des vertus pour ce qu'elle est et pour en faire une richesse de ce que nous sommes, chacune et chacun. C'est justement être capable de ne pas laisser sommeiller et dormir une de nos vertus qui pourrait être justement, elle, productive d'une richesse infinie, qui pourrait nous apporter quelque chose de particulier. Et quand on fait ressortir, quand on fait rêver, et qu'on révèle cette vertu de Malchut qu'il y a dedans, eh bien, on permet à cette vertu d'exister. C'est un peu comme ce qui se passe également dans toutes les différentes vertus, les autres vertus. Le chesed, la bonté, givoura, la rigueur. Qu'est-ce qui fait que la givoura est la givoura? La givoura, la rigueur, elle est là parce que c'est ce qu'elle permet, c'est ce qui permet au chesed d'être ce qu'il est. Le chesed peut s'exprimer parce qu'il y a de la guévoie, parce qu'il y a de la rigueur. Sinon, le chesed, la bonté, ne pourrait pas s'exprimer. Autrement dit, ce qu'on nous demande à chacune et chacun, c'est d'aller puiser dans cette richesse infinie qui fait ce que nous sommes. Et que, parce que ça demande aussi un effort. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aller les puiser, il faut aller les chercher. Il faut prendre ce regard-là de Malchut, de regarder de l'extérieur. Hein, le roi, il est roi parce qu'en fait, il a cette dimension extérieure qui, a priori, se détache de ces sujets. Mais il a besoin des sujets, mais en même temps les sujets, eux, même sans avoir le regard, et même sans avoir une connaissance, un rapprochement, une connexion directe avec le roi, ils sont complètement respectueux de ce roi-là. L'homme doit être capable de faire la même chose, de jouer un petit peu avec ses différentes vertus et ses traits de caractère. Quand il est vraiment plongé dans ce qu'il subit de ses traits de caractère, de sa personnalité, il y a à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se laisse complètement diriger par.
Quand il a ce regard extérieur, il a ce recul-là, alors il va maîtriser chacun de ses traits de caractère, parce qu'il a un regard qui est beaucoup plus essentiel et qui se rattache à quelque chose de beaucoup plus grand. Il va prendre de la hauteur sur ses différents traits de caractère et il sera capable de les diriger là où il en aura besoin hein, et au moment où il en aura besoin. Alors c'est ce qu'on va souhaiter à chacune et chacun d'entre nous à travers ces différents mots que nous avons partagés aujourd'hui sur notre Tania du jour, Rabbi Shneur Zalman de Liadis, qui nous a apporté ici à travers ces dimensions de Malchut. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que vous puissiez vivre une réussite totale aujourd'hui, matérielle et spirituelle, dans tous les domaines, à l'infini. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter. Et dites le à vos amis, c'est très important. A priori, là, Facebook, live également, sur Insta et tout, ils changent un petit peu les règles. Donc, il faut s'abonner à la page. Voilà, c'est ce que nous envoyez par mail. Donc, abonnez-vous et partagez avec vos amis. Que Dieu vous bénisse et Shavua Tov, une excellente semaine à chacune et chacun. À bientôt.